Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Il a officialisé sa candidature à la présidentielle, une candidature de la rupture, a dit le docteur Denis Mukwege au sortir du siège de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, le dépôt de la candidature de Moïse Katumbi décalé à ce mercredi, faute de certaines pièces originales. Le détail à suivre dans cette édition d'information. En ce jour de travail dans la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment de la Direction générale des douanes et accises à la satisfaction des agents et cadres de cette société. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Après l'annonce, Denis Mukwege a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle ce mardi au siège de la CENI, au sortir du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les prix Nobel de la paix 2018 justifient sa candidature dans l'impérieuse nécessité de mettre fin à une mauvaise gestion qui n'a que trop duré. Reportage. C'est à 9h, heure de Kinshasa, que le docteur Denis Mukwege est arrivé au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, formaliser sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Après avoir rempli tous les documents nécessaires pour sa candidature, Denis Mukwege a échangé avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Ensemble, ils ont notamment évoqué les contours du processus électoral. Le prix Nobel de la paix 2018 se veut un candidat de la rupture. Aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. S'agissant du processus électoral, le prix Nobel de la paix 2018 appelle la population à la responsabilité, à défendre leur choix. Nous, on a décidé de s'engager dans ces processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Denis Mukwege est le 7e candidat à postuler pour la présidentielle après Constant Mutamba, Matata Ponyo ou encore Franck Diongo. Et pendant ce temps, la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, pas déposée ce mardi, faute de certaines pièces originales. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de son parti politique au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Sa formation politique promet de tout régulariser de ce mercredi, dès le retour à Kinshasa d'une équipe dépêchée d'urgence à Lubumbashi pour rapporter les documents exigés par la centrale électorale. On écoute Maître Hervé Jacques, ses porte-parole de cette formation politique de Moïse Katumbi. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est conformément à la loi au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi
puisse être déposé au bureau de réception et de traitement des candidatures. Restons encore à la Commission électorale nationale indépendante où son président a lancé la première série de la cascade des formations de membres du bureau de vote, des dépiements, mais aussi ceux des centrales locaux, des compilations de résultats. Pendant 10 jours, 26 facilitateurs experts de la CENI vont former 197 procéduriers et plusieurs informaticiens sur la maîtrise des procédures, des opérations de vote, des dépiements et des compilations des scrutins. Les électeurs d'autres territoires entreront également une fois dans le bureau de vote, mais c'est pour opérer trois choix. Le candidat président, le candidat député national et le candidat député provincial. Enfin, les Congolais résidant dans les 5 pays connus à l'étranger voteront uniquement le candidat président de la République. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Voilà pourquoi cette formation doit être axée sur des exercices pratiques de simulation de vote, de dépouillement et de compilation. Ces exercices pratiques seront renforcés sur l'utilisation du dispositif électronique de vote, notamment l'ouverture de vote, le déroulement de vote et la clôture de vote. Mesdames et messieurs, vous êtes obligés de veiller sur la qualité de la formation à tous les niveaux, car plus la cascade est longue, plus le risque de déperdition est grand. Il est donc nécessaire que vous puissiez procéder à des évaluations objectives pour doter la CENI d'un personnel opérationnel capable de remplir sa mission en toute conscience et responsabilité. Quittons la centrale électorale à présent. Le parti politique Nogeco Nouvelle Génération Consciente était en meeting dimanche à la place Imka dans la ville de Kinshasa. Objectif présenté aux militants, les candidats du parti aux législatives nationales et provinciales pour la présidentielle. Nogeco apporte son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, candidat également de l'Union sacrée de la nation. Lors de son meeting à la place Imka, pris d'assaut par une foule immense, l'autorité morale de la Nogeco a placé des mots louables au sujet du processus électoral. Devant ses cadres et militants, Fabrice Lonkinke a investi Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat président de la nouvelle génération consciente. Candidat Bisson, autre pour accompagner. Candidat autre pour prendre l'élo, Assali et Bélé. Péazo Sala et Bélé. Azo Lalate, Azo Balou, Akota Amabe, Akendo Amabe, Tona, Naï, Nayo, Tosala, bien. Le numéro 1 de la Nogeco n'a pas manqué de présenter des candidats députés nationaux et provinciaux des 7 formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Allons-nous dans la province du Haut-Katanga, la direction générale des douanes et accises à Kasumbalesa de la province du Haut-Katanga rêvait un nouveau visage éclatant. C'est avec son inauguration ce mardi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le nouveau bâtiment de la DGDA est un ensemble d'infrastructures de 2400 mètres carrés équipé de tous les matériels opérationnels nécessaires au poste de Kasumbalesa. Les détails avec Rachel Kitita, notre envoyé spécial.
C'est un nouveau départ pour la direction générale de douane et accises au Katanga. Ce nouveau projet a été réalisé sur fonds propres grâce à son partenariat avec la firme Trafigo SRL, une société congolaise dirigée par Magali Kaitesa Rawe. Et pour marquer le coup de ce nouveau départ, c'est le premier citoyen qui a marqué sa présence cette cérémonie inaugurale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était accompagné de son épouse, Denise Nyakuru Tshisekedi, mais également de quelques membres du gouvernement, dont le Premier ministre. Pour le directeur général de la DGDA, c'était un impératif de moderniser le poste frontalier de Kasumbalesa pour assurer la facilitation en concurrence internationale et la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Nous sommes entrés en possession avec l'inauguration du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo. Nous sommes donc entrés en possession de notre nouveau bâtiment qui est, comme vous pouvez le constater, un bâtiment grandiose et qui va nous permettre en fait de renflouer, je dirais, les caisses de l'État dans la mesure où c'est un bâtiment de proximité avec nos frères voisins de la Zambie. Et donc, il y a certains avantages. Par exemple, maintenant, il y aura la fluidité, la décongestion, on va essayer de l'éradiquer, c'est trop dire, mais on va la diminuer sensiblement. Et donc, qui dit fluidité dit recette, et qui dit recette, moyen de l'État augmente. Mais nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie, et d'ailleurs, sans fausse modestie, les recettes, vous pouvez le constater, les statistiques sont là. Ce mois-ci, nous avons atteint les assignations, le mois passé également, nous les avons dépassées. Quittons le Katanga, direction la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, où les verdicts du procès sur les carnages des civils est tombé le lundi 2 octobre tard dans la nuit. Les colonels Mike Mikombe de la garde républicaine, unité spéciale, soupçonné d'avoir été en première ligne et condamné à mort, puis radié de l'armée congolaise. Trois autres soldats de deuxième classe écopent chacun des 10 ans de prison. Les colonels Bawili du 19e régiment ainsi que les militaires Idriss Kabamba ont été acquittés. Plus d'une cinquantaine des fidèles de la secte Wazalendo ont été tués le 30 août dernier alors qu'ils organisaient une manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO du sol congolais. Le gouverneur, j'y arrive, militaire de l'Ituri s'est entretenu avec le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en charge de la protection et maintien des opérations de la paix sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Kassim Diane a réitéré auprès du lieutenant-général Luboya Kachama Djoni les déploiements des kits électoraux dans les zones à risque. C'était le lundi 2 octobre 2023. La MONUSCO réaffirme son engagement logistique d'appuyer la CENU dans les transports de kits électoraux dans des zones inaccessibles. En prévision des élections de décembre 2023, ceci conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations de maintien de la paix et de la protection, l'a dit ce lundi 2 octobre 2023, au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Djoni. La question du retrait progressif de la MONUSCO dans ces pays de l'Afrique centrale a été aussi évoquée. Sur le volet élection, vous savez, le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité l'année dernière, en décembre 2022, et qui est en cours maintenant, il est très précis sur le rôle de la MONUSCO par rapport à ce volet-là. C'est en fait un volet de soutien logistique et opérationnel dans les trois provinces où nous sommes encore, c'est-à-dire le Sud Kivu, les deux Kivu et l'Ituri. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la demande des autorités, nous avions déjà transporté le matériel électoral dans ces provinces-là. Et nous sommes entièrement à la disposition des autorités pour continuer ce soutien logistique et opérationnelle. Depuis son déploiement en RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a toujours été un partenaire par excellence du gouvernement congolais sur les plans de développement et des opérations.
Toujours à Ituri, plus de 11 000 agents et fonctionnaires de l'État de la province soumis à un contrôle biométrique. Le lancement a été donné lundi par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ouboyaka Chamadjoni. La démarche s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Aussitôt entré en fonction, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua, voudrait avoir la maîtrise de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État. Objectif, améliorer l'enveloppe salariale de ces derniers. Voilà ce qui justifie le lancement ce lundi 10 octobre 2023, ici à Bounia, du contrôle biométrique des 11 604 agents de l'État de l'Ituri, cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ituri qui s'allie. Cette opération. Souvent, je suis avec la commission ici. C'est tout le temps qu'il y a des voyages à Kinshasa, tout le temps qu'il y a des choses à régulariser. Mais vraiment, je voudrais que vous profitiez de cette opportunité pour que le travail soit bien fait. Merci et bon travail. Et sur ce mot, je lance l'identification du personnel de l'État ici. Le chef de la délégation de la fonction publique, Massoso Antonio, donne les étapes à suivre lors de cet exercice. Le numéro matriculé n'est pas un héritage. La mort, c'est un destin pour tout le monde. Si vous mourrez, vous partez avec votre numéro matricule. On ne peut pas hériter ça. Ton frère ou bien ta soeur ou bien les enfants ne pouvaient pas hériter ça. Le chef de division de la fonction publique, Annie Toury, le premier à obtenir sa carte de main de l'autorité provinciale, exprime sa joie. Le sens que moi j'accorde à cette carte, c'est purement exceptionnel parce que depuis que nous sommes dans l'administration publique, nous n'avons pas été identifiés comme agents de carrière des services publics de l'État, même si nous sommes fonctionnaires qui touchaient les salaires et la prime, mais nous étions toujours comme des agents qui doutaient de la carrière où nous sommes fonctionnaires. Cette première vague de contrôle biométrique ne concerne pas l'enseignement supérieur et universitaire, le PESTI, aussi bien la recherche scientifique. 23 jours durant, ce contrôle biométrique se fera en attendant la deuxième vague. Revenons à Kinshasa, où le Haut Commissariat pour les réfugiés a tenu sa traditionnelle réunion trimestrielle mardi dans la capitale congolaise. Une rencontre organisée à l'intention du corps diplomatique et des agences des Nations Unies accréditées en République démocratique du Congo dans l'objectif de les informer sur la situation humanitaire au pays. Selon la représentante du HCR en RDC, le déplacement des personnes à l'intérieur du pays demeure très préoccupante. Au cours du briefing, la représentante du HCR en RDC a informé le corps diplomatique et les agences des Nations Unies que des progrès sont réalisés dans les domaines des solutions durables à apporter pour aider les réfugiés. Le programme du HCR a facilité le rapatriement des 698 réfugiés congolais vivant en Zambie, la RCA et la Namibie, et plus de 6690 réfugiés du Burundi, de la République centrafricaine et du Rwanda ont été rapatriés dans leur pays d'origine. La RDC accueille tout de même plus d'un demi-million de réfugiés qui viennent de Centrafrique, de Sud-Soudan, du Burundi, du Rwanda. Et quand nous intervenons en faveur de ces réfugiés-là, nous faisons en sorte que nous ne créions pas de problèmes additionnels. Ça veut dire toutes les interventions du HCR sont sur base communautaire. Nous intervenons non seulement en faveur des réfugiés pour lesquels nous avons le mandat, mais également pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, le Congo, mais aussi pour les personnes qui accueillent ceux-là qui sont en déplacement forcé. Vraiment, la tâche est colossale. Malgré ce progrès du point de vue externe, la situation des déplacés internes reste préoccupante, principalement en Ituri et au Nord Kivu. La province du Nord Kivu, si on regarde en termes de nombre de déplacés, il y en a 2 017 000 qui sont déplacés dans le Nord Kivu. Ituri, c'est un tout petit peu moins que 2 millions, 1 900 ou 800 et poussière. Le Sud Kivu, c'est 1 500. Donc vraiment, en termes de crise de déplacement forcé, le Nord Kivu est en tête. Le HCR a signé avec les deux pays des accords tripartites pour le rapatriement des Congolais du Rwanda et vice-versa.
Ce cadre aujourd'hui est toujours en place avec des modalités pratiques qui ont été mises en place également en juillet 2010. Et c'est sur cette base-là que nous menons des discussions tripartites. La prochaine discussion tripartite va avoir lieu le 16 de ce mois. Le SCR note par ailleurs une augmentation de 49% depuis les mois d'août dernier des cas de violations et abus contre les civils. Poursuivons avec l'actualité dans cette édition d'information. L'Office national de produits agricoles du Congo a tenu ce mardi sa deuxième session ordinaire du conseil d'administration. Il était question pour le PCA de l'ONAPAC, Maître Moké Moukengeshaï, de rappeler les efforts de l'ONAPAC pour l'amélioration de ses secteurs. Il a dénoncé par ailleurs la mauvaise volonté des opérateurs membres de la FEC qui sollicitent une réduction du taux des frais de prestation évalué à 2%. Reportage. 2%, 3%. Au cours de cette séance à laquelle ont pris part la directrice générale, les directeurs généraux adjoints et des membres du conseil, le président du conseil d'administration de l'Office national de produits agricoles du Congo est revenu sur les missions de cette structure de l'État. Les planteurs, d'encadrer l'usinage, d'encadrer l'entreposage et d'encadrer tous les transits, toute la chaîne depuis la production jusqu'à l'exportation. Et lorsque l'ONAPAC fait ce travail, il utilise ses agents et cadres, principalement des ingénieurs agronomes. Maître Mike Mukengeshaï a aussi martelé sur la production de l'ONAPAC, évaluée à 30% de la demande de l'entreprise. Suivant le rapport de nos prédécesseurs que nous avons trouvé dans les éléments de la remise réplique, les charges de l'ONAPAC ont été évaluées à plus de 15 millions de dollars par an et les recettes à moins de 3 millions de dollars par an. Face à cet état de choses, le PCA dénonce certains opérateurs membres de la FEC qui sollicitent la réduction de 2% des frais des prestations. Exportateurs de ces produits, qui sont des opérateurs économiques membres de la FEC, sont vent debout contre l'ONAPAC, estimant que les taux des frais des prestations de l'ONAPAC, qui sont fixés à 2%, de la valeur fauve des produits agricoles destinés à l'exportation. Donc ce taux-là, ils estiment que c'est trop élevé. Et ces pleurichements-là viennent essentiellement des opérateurs économiques réunis dans l'association des exportateurs du cacao-café, basés essentiellement à l'est de notre pays. Cette rencontre s'est tenue dans les soucis d'identifier les difficultés de cette société afin de proposer des solutions. Cette brève en sport, avant de clôturer complètement cette édition d'information, le stade Tata Raphaël de la Kétule va accueillir ce mercredi 4 octobre, sous le coup de 15h30, les derby chinois entre l'AS Vita Club et les Darin Club Motema Pembe dans un match comptant pour le groupe B du championnat national de football, la Ligue 1. Les Dauphins Noirs qui restent sur une victoire la saison dernière face aux Immaculés veulent rééditer leur exploit, tandis que Desimpe veut tout simplement mettre fin à la série d'invisibilité. Le club au derby, les deux entraîneurs étaient devant la presse dans la conférence des presse avant match ce mardi. Madame, Monsieur, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Merci également à Yannick Kikuchu qui était notre chef d'édition. La suite au prochain numéro.